Ce qui est à ton, c'est d'ailleurs premièrement une journée familiale pour le club où on aimerait réunir tous les juniors, les parents pour faire la fête. Du hockey, sport bar, on va faire le skate à ton. On va faire des tours et c'est juste de faire des tours le but. Je crois. 11 ou 12 par là. 26. 25 au moins, je sais pas. 29. Mais je vais 38 moi. 40, 38, voilà. 29. 36. 35. 36. 34. 25. Peut-être 18, 19, je suis pas sûr. Bonjour les Nicolas. Je crois qu'à Mange, tous les coachs s'appellent Nicolas bientôt. En picole, on en a un. Et puis là, on a Nicolas et Nicolas. Et vous avez combien d'enfants aujourd'hui à l'école de hockey? On tourne entre 40 et 45. Et on est à peu près à 35-40 sur la glace tous les samedis matins. Comment vous organisez 45 enfants? Parce que c'est pas un seul groupe sur la glace. Alors, on travaille avec trois groupes. Un groupe au milieu qui sont les tout débutants. Qui apprennent vraiment à patiner. Et puis après, on a un groupe d'avancés et puis un groupe de débutants, mais qui sait quand même déjà patiner. 4 ans. Tu as 4 ans. Et c'est la première saison que tu fais du hockey? Oui. Ah oui? Oui. Qui c'est qui t'a donné envie de faire du hockey? Maman et papa. Le plus petit n'a pas 3 ans cette année. Donc il va faire 3 ans, je crois, au mois de mars, sauf erreur. Et sinon, on les prend jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Après cet âge-là, ils vont intégrer les équipes Bambi et Bini. L'objectif, c'est toujours le plaisir. C'est lequel le meilleur entraîneur de l'école de hockey? Nicolas ou Nicolas? Nicolas. Dans la rue, je ne l'ai pas vu. Dans le jardin, je l'ai cherché en vain. Alors, je me suis couché. Il est passé. Je ne parle pas d'Aouistiti, mais du Père Noël. Des événements comme ça avec le Père Noël, ça reste magique aux yeux des enfants. Come on boy, let's go! Come on boy, let's go! Allez morge, let's go! We are family! C'est aussi un plaisir pour moi d'être à Morge, que je pense que voilà, ça vient à family comme j'ai lu ou comme ça. Chaque équipe, j'ai l'impression, ça représente une petite famille, c'est un esprit positif. J'ai l'impression que tout se passe tout seul dans un cadre familial très sympa.
Alexandre Eppard, donc arbitre officiel du club, comment on se prépare pour une rencontre aussi importante que tout à l'heure? Ah, alors c'est une préparation qui dure plusieurs jours, hein, mentalement, psychiquement, manger aussi, hein, vous voyez que j'ai perdu pas mal de kilos. Mmh. Après, bah, je vais me chauffer, comme vous avez pu le voir, là au Heiss Bells avec trois bières. Et puis ensuite, bah, on vient simplement au vestiaire, quelques secondes avant le match, histoire de ne pas être trop en retard. Tu sais quels sont tes adversaires de la journée? Alors c'est un petit peu un mix des juniors du club et puis quelques joueurs là-deux dont d'ancienne gloire du hockey suisse. Comme joueur extrêmement connu, il y a Olivier Keller, Eric, je ne sais pas si c'est Eric Parizeau, je doute, Jörg Lederman. Puis on a deux ou trois juniors qui jouent avec nous, ainsi que Christian Pontier. Il y a notamment des Olivier Keller, Fabio Guignard ou Malik Benturki qui sont des joueurs très rugueux et que je vais avoir un œil particulier sur eux. En noir, on a Fabien Guignard, Malik Benturki, Louis Christoffel. Bon, ils ne sont vraiment pas des exemples pour les jeunes, donc d'où un arbitrage très strict et à la moindre faute, je reverrai ces personnages au vestiaire s'il le faut. Je pense que c'est du 5 contre 1, quoi. 5 contre 1 pour les rouges. À voir sur le papier, hein. Après il faut confirmer sur la glace. Waf, oui, en famille. Ah ben, comme aux arbitrés, il faut faire abstraction de tout. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Vous êtes le maître sur la glace, vous sifflez. Et puis si les gens ne sont pas contents, ben, vous les renvoyez au vestiaire. Ben là, on s'est entraîné toute la semaine. Ouais, ouais, donc tous les mardis, on fait des matchs, on mélange les équipes. Et puis on joue pour le plaisir. Ce matin, on a fait un échauffement, patinage léger. On a vraiment beaucoup de plaisir. Il y a pas mal d'anciens qui se sont joints encore cette année. Et puis le niveau est assez sympathique. Et puis un peu de physique, un peu de stretching. Là, on est prêt. Une rencontre capitale, rappelons-le, pour nos jeunes téléspectateurs. Hein. Et puis bon, là, on est au top, quoi. Ouais, on est au top. Les masseuses, c'est toujours la même société de Morges qui fait? Bah, les masseuses, on compte un peu sur toi, quoi, je sais pas. On a prolongé le contrat de M. Perrotin, non seulement en tant qu'entraîneur de la première équipe pour la saison 2013-2014, mais également, il s'investit déjà beaucoup dans le mouvement junior, mais son contrat a été, je dirais, réévalué. La saison prochaine, et dès maintenant, il s'occupera encore un peu plus de développer ce mouvement junior, non seulement qu'on soit un club familial et festif, mais également compétitif. Bah, cette année, on a une équipe un peu meilleure en consistance, c'est-à-dire en nombre, et puis au niveau de la qualité, et puis on a une excellente ambiance, donc ça représente un petit peu l'état d'esprit du club. On a vraiment la chance d'avoir beaucoup de juniors, donc on a une pyramide qui est là. On a vraiment aussi maintenant un partenariat avec le L4C, qui est le mouvement junior du Lausanne, ce qui permet vraiment de pouvoir faire évoluer les enfants dans la catégorie idéale par rapport à leur niveau. Disons qu'il y a une évolution qui se fait au sein du club au niveau de la formation et un rapprochement dans le canton de Vaud au niveau des clubs. Et puis on va piloter tout ça, le niveau des joueurs est meilleur, on va continuer à travailler pour avoir le maximum de joueurs ici de notre formation dans la première équipe. Une grande nouveauté depuis cette année, on a minimum deux entraîneurs par équipe junior, donc ça apporte un plus au niveau technique. Et puis tous ces gens comme Malik Benturki, Urs Burkhardt, et je n'oublie plein d'autres, Olivier Keller, c'est tout, ils peuvent amener leur expérience aux jeunes, et c'est vraiment très très positif pour le club. Ça donne vraiment une image et les enfants sont vraiment heureux de les avoir parmi nous. Tout en bas, patinage, technique en haut, et après c'est l'école de vie que tu as mentionné tout à l'heure, mais le patinage comme ça commence tout en bas. Au moment seulement 3 qui jouent, quatrième qui va bientôt jouer. Ah, bah, félicitations là. Merci. On nous a dit un petit peu plus tôt qu'il y avait peut-être un quatrième joueur qui allait venir bientôt. Bah oui, mais ça fera un moment avant qu'il commence à jouer. Félicitations, hein. L'arrivée à l'enfant, c'est prévu pour l'année prochaine, mais elle va jouer dans 3 ans. Ton garçon, il joue dans quelle équipe? Mosquito Bay depuis cette année. Donc, mon fils qui joue. Ton fils, il joue dans quelle catégorie? Mosquito Bay. Il y a un qui joue en piccolo, l'autre qui joue en mosquito, puis l'aîné qui joue en mini. Un mosquito, un piccolo et un bambini. Combien d'années tu es autour de la glace, Laurent? Je n'ai pas compté, mais je suppose 5 ans ça doit faire maintenant à peu près.
5 ans. Et puis toi, Marco? Moi aussi, ça fera exactement 5 ans. 5 ans? Oh, j'ai pas compté non plus depuis l'école de hockey, donc quelques années, oui. Puis York, sur la patinoire, ça fait aussi 5 ans, un peu plus, hein. Bah, je pense un peu plus quand même. Je commence à 5 ans alors, j'ai 25 ans, oui, ça fait 20 ans environ. J'ai Noah qui est avec justement les Bombini. Donc Elias, on va voir l'année prochaine s'il a envie de faire l'école de hockey. Et puis, il y a Cecilia qui a aussi appris à patiner, mais qui fait maintenant d'autres activités comme la danse et la natation. Alors, 3 garçons. Ils ont quel âge? Alors, le premier a 11 ans, il joue avec les Mosquitois. Le deuxième a 9 ans, il joue avec les Piccolo 2. Et le troisième a 6 ans avec les Bombi ou les Bini. Enguerrand, maintenant, ça va faire 7 ans. Hein. 7 ans de hockey. Donc, il a commencé, il avait à peine 3 ans. Et puis maintenant, à 10 ans, ça fait un bail. J'ai mon petit gars qui joue avec les Bambini. Fin de saison, il a dit qu'il arrêtait. Et puis avant de. Bah, il est reparti. C'est lui qui a souhaité repartir, plein pot, donc en avant quoi. Alors il a commencé il y a 3 ans à l'école de hockey, il avait 7 ans. Et puis assez rapidement, il a été pris par le vice et puis là il se relèverait la nuit pour jouer en fait. Il adore ça. C'est très simple, on n'a rien que le hockey à planifier. C'est un peu difficile franchement. C'est beaucoup de temps, d'investissement, mais. Ma foi, moi, mes parents l'ont fait pour moi et je me dis, ben voilà, maintenant c'est mon tour de refaire pour eux. Alors, on n'est jamais à la maison, juste pour faire sécher les affaires. Autrement, on est souvent à Morges, en tout cas, oui. We are the best. We are the champion, my friend. Non, c'est pas ça. We are... Allez, we are family. We are family. Bon, c'est facile. Oh mon Dieu, we are family. We are the family. C'est quand que ça commence? Est-ce que vous connaissez le slogan du club? York, toi tu le connais, tu le disais tout à l'heure. Oh, ouais, bien sûr, c'est marqué là, on vient à la famille, alors... We are family. Yeah. Get up everybody and sing. Come on. We are family. I got all my sister with me. We are family. We are a family. Get up everybody and sing. What you got? We are family. We are family. I got all my sister with me. We are family. We are family. The podcast has get up everybody and sing. Everybody and sing. Arrêtez. Pas mal, non? On est bien, non? C'est pas mal. Ouais, bravo, hein. Félicitations. Merci, messieurs.